C'est un match à enjeu, mais d'abord, notre préoccupation, nous, c'est de s'améliorer de match en match. On avait fait un bon match au Gabon, on reste sur une bonne dynamique, même s'il y avait pas mal de choses à régler. Donc en tant que coach, ce que je leur demande, c'est de penser au jeu. Nous, on est là pour jouer, on n'est pas là pour avoir trop de pression qui peut nous faire déjouer. Donc ça, il faut passer ce message aux joueurs. Nous, on a envie de faire un bon match. On sait qu'avec la qualité qu'on a et le sérieux que les joueurs mettent, si on fait un bon match, on aura de grandes chances de l'emporter. Après, c'est vrai que dans ces qualifications, on est parti. Tout le monde pensait qu'on était éliminé, tout simplement. Hein. Il faut se le dire. Je l'avais dit quand j'étais arrivé il y a un an qu'il y avait un petit espoir, mais que c'était pas l'objectif principal. L'objectif principal, c'était de bien se préparer sur l'année, de redynamiser l'équipe. Maintenant, les garçons ont tellement bien travaillé sur les stages d'avant qu'ils méritent cette possibilité d'aller à la CAN. Ça va être un match difficile demain. Il n'y a pas de match facile en Afrique. On l'a vu encore avec Algérie, Tanzanie hier où il y a 0-0. Donc il n'y a pas de match simple. L'équipe du Soudan est une équipe qui a battu le Gabon, qui a battu la RDC. Donc on ne bat pas le Gabon et la RDC si on n'a pas de qualité. Nous, on est en éveil par rapport à ça. On est chez nous, on a envie de montrer une bonne image de notre équipe. Mais ce qui est sûr, c'est que les garçons sont extrêmement motivés pour découvrir la CAN en Côte d'Ivoire, en sachant que sur l'effectif d'aujourd'hui, on doit avoir à peu près 5 joueurs qui ont déjà participé à une CAN et beaucoup de joueurs qui souhaitent aller pour la première fois dans cette compétition. Au début, on a pris des défaites, mais c'est la réalité du foot. On a continué à travailler, on a amélioré, on a joué le troisième match, on a gagné. Quatrième match, on a fait match nul. Cinquième match, défaite grasse, on a gagné. Demain, c'est la finale. On est conscient. Match très important pour nous, les joueurs, et pour tous les peuples congolais. On a besoin du soutien de tous les peuples congolais. Ils viennent au stade demain pour remplir ce stade et nous, on va faire notre travail.